Jeudi, il m'a emmené au restaurant à Brémond. Parce qu'hier, c'était son anniversaire, ses 82 ans. La petite poupée, là, en porcelaine, c'est lui aussi qui m'a offert ça. Voilà sa photo, quand il avait 20 ans. C'était au moment de la guerre, il y a eu un bal. Puis c'est là, bon, ben, on a dansé, puis après on a sorti, puis c'est là que tout a commencé, quoi. Le lendemain du bal, il est allé ben, à la chapelle là, pour essayer de me voir, mais il ne m'a pas vu. Et le surlendemain de ça, il franchissait la ligne de démarcation pour s'engager un certain temps. Quand la guerre a été terminée, il a repensé à moi. Il m'a recherché. Mais moi, j'étais mariée entre-temps. J'avais rencontré Robert. Et c'est au décès de Robert, après, qu'il a dit, bon, ben, elle est libre maintenant, pourquoi qu'on ne marcherait pas tous les deux, quoi. Il m'avait téléphoné que je vienne, quoi, puis j'avais accepté, puis de venir déjeuner, tout ça, quoi. Donc j'ai déjeuné, on s'est embrassé et tout ça, mais il n'y a pas eu de couchage. J'aimerais bien que tu dormes avec moi, qui me disait. Alors j'ai dit, ben attends, je ne suis pas prête, moi j'ai dit, il me faut le temps. C'était pour me déshabiller. C'est là, j'ai dit, tu te rends compte, à notre âge, tout ça, mais il dit, il n'y a pas d'âge, et puis ça va bien, tu vas voir, et puis... C'est vrai. Il a découvert ma poitrine parce que c'est vrai que j'ai des beaux seins pour mon âge. Alors ça, il n'en revenait pas. Alors j'ai dit, oui, il y a des bonnes surprises. T'as les yeux qui brillent quand tu parles de lui. C'est vrai, non ? Ça se peut, oui. Bah, je l'aime, quoi. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur.